Je m'appelle Eric Godino et je vais vous présenter le titre de mon mémoire, donc évaluation au dynamomètre de l'impact des techniques ostéopathiques sur la rotation médiale et latérale de l'épaule. Donc, je commencerai par la genèse de ce mémoire avec les différentes parties qui ont permis la construction de ce mémoire. Ensuite, une brève description de la population, du matériel et de la méthodologie. Ensuite, on ira voir les résultats de l'expérimentation pour se concentrer sur les limites et les intérêts de ce mémoire. Avec une petite conclusion, bien sûr. Donc, ma motivation et mon inspiration fut mes parents militaires et mon cursus au sein du collège et lycée militaire, qui m'ont donné envie de faire un mémoire dans ce milieu-là. Depuis longtemps, pendant mes études d'ostéopathie, je me disais que l'ostéopathie pourrait avoir un impact sur la prévention, sur le maintien des conditions physiques des militaires, notamment dans les théâtres d'opération comme le fait les États-Unis ou dans les hôpitaux militaires afin d'aider les soldats blessés. Et cela n'est pas une mince affaire puisque en fait il n'y a pas d'ostéopathe exclusif dans le milieu militaire. Et donc du coup je me suis demandé comment on peut faire pour entrer dans ce milieu-là et pourquoi tant de méfiance envers nous. Et après 9 mois de travail, j'ai pu rentrer enfin dans le Centre National des Sports de la Défense au CNSD qui se trouve à Fontainebleau. Donc j'ai voulu faire un mémoire expérimental puisque je voulais savoir ce que je pouvais faire avec mes mains. Quel outil me permettait de les analyser. Et il y avait quelque chose qui était intéressant pour moi, c'est que j'ai lu un livre de Jean-Marie Guelette qui disait qu'on avait peu d'expérimentation scientifique et que ça nuisait à notre crédibilité au sein du service de santé. Et donc du coup, je voulais rajouter une pierre à l'édifice dans la recherche ostéopathique. Donc pourquoi, vous allez me demander pourquoi j'ai choisi ce mémoire sur la force musculaire, sur l'épaule, sur les rotateurs. Tout simplement parce que je suis très sportif et je connais l'impact que peut avoir la force musculaire sur la performance physique. Et d'autre part, mon père, il est atteint d'une capsulite rétractile en phase froide. Et donc du coup, ça m'a donné envie d'apprendre un peu plus sur la biomécanique, sur la physiopathologie de l'épaule. En plus, si je rentrais au sein du CNSD, je pouvais avoir la machine isocinétique, qui est le golden standard de l'évaluation de la force musculaire. Et à cela, on rajoute encore l'épidémiologie de l'épaule douloureuse, qui est l'une des dépenses les plus importantes en France, mais dans le monde, pour pallier à ce problème-là. Donc, l'idée maîtresse de ce mémoire, c'est une ostéopathie qui serait plutôt préventive que curative. En fait, c'est les lectures de Irving Kaur qui m'ont permis de comprendre l'impact d'une dysfonction sur le fonctionnement corporel. Et une dysfonction est l'un des facteurs étiologiques d'un processus pathologique. Et Irving Kaur va même jusqu'à dire que c'est un processus, enfin, qu'il est prépondérant. En fait, une dysfonction va créer une facilitation au niveau d'un segment de moelle. Ce segment de moelle va être rattaché à plusieurs structures et ces structures vont être bombardées d'informations sensitives, moteurs et sympathiques. Et ces structures vont être déréglées et à terme peut-être créer des troubles fonctionnels. Et ce qui est important à comprendre, c'est que les dysfonctions, tout le monde en a, même si on se sent en bonne santé, et que ces dysfonctions peuvent rester latentes pendant plusieurs années. Et donc du coup, pour comprendre le processus pathologique qui peut se mettre en place, c'est tout simplement, en fait, quand on a une dysfonction, on a une diminution des ressources physiologiques de la personne totale. Et l'environnement extérieur, quand il est très contraignant, demande une forte demande de ses ressources physiologiques. Et on arrive à un point où on a une demande importante, et où on ne peut plus répondre à cette demande, et c'est là où le processus pathologique commence à apparaître. Et donc, avec ce raisonnement, on comprend bien pourquoi il faut corriger les dysfonctions des militaires, puisqu'ils vont avoir un environnement très contraignant d'un point de vue physique et mental. Et j'en suis arrivé à l'hypothèse de me dire, si je traite une unité biomécanique du corps, est-ce que je peux améliorer ses ressources physiologiques ? Et donc du coup avoir un impact sur la force musculaire des rotateurs médiaux et latéraux de l'épaule. Donc ma population, c'est composée de 26 stagiaires EPMS, donc éducateurs physiques, militaires et sportifs, qui ont pris le stage TIOR, technique d'intervention opérationnelle rapprochée, donc des techniques de combat. Ils ont été divisés en 2 groupes, un groupe que j'ai traité et un groupe CHAM. Donc CHAM, c'est un groupe placebo. Ensuite, cette population
est d'âge moyenne de 25 ans et elle est très sportive puisqu'il pratiquait environ 5 sports pour la plupart d'entre eux. Malheureusement, dans ma population, ce stage a entraîné beaucoup de blessures et il m'en restait plus que 19 sur les 26. Donc, le matériel que j'ai utilisé. Donc, ça, c'est une machine isocinétique de dernière génération qu'on appelle Cibex Human Norm. Il permet d'évaluer la force musculaire à vitesse constante. Donc, c'est très reproductible et il n'y a aucune chance de se blesser par rapport à la 10 répétitions qu'on peut soulever. Ça peut entraîner des blessures. Là, on n'a aucune chance de se blesser. J'ai utilisé, bien sûr, une table pour traiter mes patients. Ensuite, un chronomètre pour pouvoir avoir toujours le même tempo pour chaque personne que je traitais ou pour lequel je faisais un placebo. Hop là. Et du scotch pour faire mes repères visuels, pour toujours observer la même personne au même moment. Donc, les procédures de test isocinétique, on commence par un échauffement. Donc, cet échauffement se faisait avec un rameur pendant 6 minutes. Ensuite, des échauffements avec des élastiques, donc des élastiques qui permettent de travailler sur la coiffe des rotateurs. Et entre chaque mode de contraction, on avait une explication du mode de contraction. Donc ça veut dire, par exemple, on disait rotateur médial concentrique, on faisait le mouvement. Donc ça permettait d'échauffer un petit peu la structure. Ensuite, on le mettait dans une position. Donc là, c'est la position de Davids modifiée, que je vous ai décrit dans le mémoire, et après on faisait un paramétrage au niveau des différents paramètres de la machine. Les tests ostéopathiques se sont cantonnés à 25 minutes, avec une observation brève et dynamique de l'épaule et de la mâchoire. Ensuite, je suis passé avec des repères anatomiques, avec mon stylo dermographique, je faisais mes repères de T12L1 et de C7T1 pour avoir les bons repères anatomiques et pour être sûr d'être sur la bonne structure quand je le testais. À cela, j'ai rajouté des tests analytiques, donc sur les différentes structures de T12L1 jusqu'à C0, sur les différentes côtes, sur la ceinture scapulaire, sur tout le membre supérieur et des tests musculaires de l'épaule et de la ceinture scapulaire. À cela, j'ai encore rajouté un autre type de test, c'est des tests de traction tissulaire en mode fascia, avec la technique fascia. Le traitement CHAM que j'ai utilisé, c'était un traitement placebo. J'ai utilisé le light touch, ça veut dire que sur une articulation que j'avais trouvée en dysfonction, que j'avais prévenu au patient qu'il y avait une dysfonction, je touchais légèrement cette zone et je ne déroulais pas la structure. Je ne mettais pas d'intention, je ne mettais rien du tout. Et la deuxième technique que j'ai utilisée, c'est des fausses impulsions. Donc j'envoyais une impulsion comme ça, comme si je faisais un thrust, mais il n'était pas du tout transthoracique, il était juste sur moi. Donc, les résultats que vous voyez ici sont la compilation des valeurs numériques, donc les 1064 valeurs que j'ai réécrites dans des tableaux pour afin d'avoir ces graphiques-là. Et on remarque qu'il y a une diminution de force dans les deux groupes, mais que cette diminution de force est plus importante au niveau du groupe CHAM qu'au niveau du groupe traité, de manière globale. Ensuite, j'ai fait des résultats statistiques et on remarque qu'il n'y a que ces deux valeurs, la rotation médiale concentrique, qui peuvent être comparées. Et je suis tombé exactement sur la même conclusion que je viens de vous donner juste avant. À la fin de mon mémoire, j'ai quand même essayé d'aller plus loin et de refaire des études statistiques, mais malheureusement, elles n'ont pas été démontrables elles aussi. Donc du coup, je suis allé chercher les commentaires du médecin, avant et après traitement. Je vous avais mis en annexe, il y avait des commentaires que le médecin mettait, et j'ai remarqué une certaine récurrence. Donc pour les patients traités, il ne restait plus que 10 personnes. Et sur ces 10 personnes, il y en avait 6 où il y avait une forte amélioration au niveau du ratio. Donc là, on voit une amélioration de tous les ratios. Pour deux d'entre eux, les choses n'ont pas vraiment changé. Donc il y en avait un où ça n'a pas vraiment changé, le deuxième où il était déjà bien, donc ça a pas pu, on ne peut pas améliorer plus que ce que ce n'était. Pour l'autre, il y a une amélioration de 15% environ, mais il y a un changement du déficit. Il a changé de côté, donc peut-être une adaptation. Et pour le dernier, on voit une augmentation du déficit. Et ça, c'est notamment peut-être lié à son environnement, lié à son passé chirurgical. Il a eu 3 opérations chirurgicales et une infection au niveau de son épaule. Et donc du coup, je vais répondre à l'une de vos questions. Je ne sais pas qui m'a posé cette question sur la chirurgie.
Eh bien, oui, en effet, j'aurais dû rajouter dans mes critères d'exclusion la chirurgie. Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Puisque, en fait, de base, je ne m'attendais pas à voir une personne de ce type-là. Puisque le PMS a normalement... Enfin, déjà, les tests de rentrée dans l'armée ne excluent ce type de personne. Puisque, en fait, si on a une chirurgie récente, par exemple, il sera exclu du stage automatiquement. S'il a une chirurgie ancienne, il ne pourra même pas avoir accès normalement à ce type de stage. Puisque... il y a un test physique qu'on appelle CIGICOP qui fait l'état de l'ensemble du corps. Et quand, on, par exemple, on a une chirurgie dans une partie du corps, eh ben, normalement, ça exclut de l'EPMS et du stage tueur. Et là, bien sûr, l'exemple confirme la règle. J'ai eu une personne avec un lourd passé chirurgical et je me suis trouvé avec cette problématique dont vous disiez. Donc, du coup, j'aurais dû mettre dans mes critères d'exclusion la chirurgie. Donc, ensuite, je suis allé voir pour les personnes traitées... Ah, excusez-moi. Je suis allé voir pour les personnes CHAM et on augmente, on voit pour... Alors là, il y a eu un problème, excusez-moi. Voilà. Donc on remarque que pour 3 d'entre eux, il y a une augmentation du déficit de 50%. Et 50% dans l'étude isocinétique, c'est énorme. Donc ça, c'est pour les patients non traités. Pour les patients... donc toujours les mêmes, pour 4 d'entre eux, il y a un fort déficit, mais beaucoup moins important que 50%. Il y en a un où il y a une amélioration de 11%, donc peut-être que le placebo a bien fonctionné. Et pour cette dernière personne, 3 de ces valeurs ont un déficit, et la dernière valeur est légèrement positive. 5%, c'est là où on commence à prendre en compte la valeur. Donc il y a une légère amélioration pour une seule de ces valeurs sur les 4. Donc, je fais le rappel des résultats. Donc, on observe une amélioration, on observe une diminution de la force musculaire. Et ça, c'est peut-être lié à la fatigue musculaire, à la fatigue physique et à la fatigue sportive qui a entraîné cette diminution de force. Mais on observe quand même que cette diminution de force est moins importante pour les personnes que j'ai traitées que pour les personnes placebo. Ensuite, on observe une augmentation du déficit au niveau des ratios pour le groupe CHAM, alors qu'il y a une amélioration importante du ratio pour les personnes que j'ai traitées. Et donc du coup, on pourrait mettre une petite hypothèse sur la dysfonction, c'est qu'elle pourrait améliorer, enfin, lorsqu'elle est présente, elle augmenterait de manière exponentielle un déficit de ratio, alors que quand on la corrige, ce déficit se normaliserait. Et donc du coup, c'est plus du tout le même impact que Irvin Korn nous disait, puisqu'on avait un impact sur le tonus musculaire. Alors que là, on aurait un impact sur les ratios musculaires, sur la force musculaire, ce qui est différent. Donc, je me suis demandé pourquoi j'avais des résultats probants sur le papier et rien du tout d'un point de vue statistique. Et ça, c'est l'une de mes limites dans mon mémoire. J'ai fait un petit tableau et en fait, quand je faisais un traitement, j'améliorais une ou deux de ces valeurs. Et donc du coup, d'un point de vue statistique, quand on change 2 valeurs sur 20, eh ben, rien ne change d'un point de vue statistique. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé avec un bloc d'analyse. J'ai pris en compte trop de paramètres qui ont fait que, d'un point de vue statistique, j'ai eu un bloc artificiel homogène. Et ça, ça m'a permis de... enfin, quand j'ai changé une seule valeur, rien ne changeait au final. Les autres problèmes que j'ai rencontrés et qui ont été les limites de mon mémoire, c'est la population. Ils avaient déjà accumulé 504 heures de sport sur 105 jours, donc ce qui est énorme. Ils ont eu une augmentation de leur volume sportif de 5 heures à 8 heures pendant ce stage-là. Ils ont eu une sursollicitation au niveau de l'épaule puisqu'ils avaient des techniques d'entraînement qui mobilisaient beaucoup cette épaule. Et des techniques de combat, donc fortement traumatiques, j'ai quand même perdu 7 personnes pendant l'expérimentation. Et à cela, on rajoute une fatigue physique et mentale à la fin du stage que j'ai pu regrouper pour la plupart de la population. Les choses intéressantes de ce mémoire, c'est que j'ai fait un mémoire sur un milieu où les ostéopathes exclusifs ne sont pas acceptés. J'ai pu utiliser la machine isocinétique qui coûte quand même 200 000 euros, donc peu de personnes peuvent l'utiliser. Et en plus, c'est le golden standard de l'évaluation de la force musculaire. Donc du coup, il n'y a pas mieux pour prendre en compte la force musculaire. Donc je vais répondre à une de vos questions sur la force musculaire et la tendinopathie. Donc
C'est, cette question-là, elle a été posée dans le milieu de la rééducation depuis assez longtemps. C'est notamment Belladj, dans un article, qui fait l'état de plusieurs articles médicaux qui montrent une coïncidence entre une diminution de la force et l'apparition de tendinopathie. Et donc, du coup, ça se comprend très bien, puisqu'en fait, si on a une diminution de la force dans une articulation, la biomécanique se fait forcément moins bien. Et cette biomécanique qui se fait moins bien va entraîner à terme une sursollicitation au niveau des muscles et des tendons, entraîner à terme une tendinopathie. En plus, il va y avoir plusieurs groupes musculaires qui vont essayer de prendre le relais de ce déficit pour continuer à faire le mouvement, bien sûr, et ces groupes musculaires vont être sursollicités eux aussi, et donc à terme aussi créer peut-être une tendinopathie. La réponse sur la question pour la population, le fait d'avoir pris cette population, c'était déjà voué à l'échec, c'est une question importante à se poser. En effet, je ne pense pas que c'est la population qui a entraîné justement un possible échec de ce mémoire. Puisque, en fait, on peut remarquer que malgré cette population qui a été fortement sollicitée avec peu de récupération, on a quand même des résultats au niveau des ratios. Et ces résultats sont juste statistiquement pas observables. En fait, je pense que ce mémoire était ambitieux et que le temps qui m'était imparti n'était pas assez important. Et donc, du coup, j'ai réduit mon protocole de base afin de pouvoir rentrer dans le timing du mémoire. Et c'est comme ça, et donc, du coup, je le réaborderai autrement que ce que j'ai fait là. C'est le premier protocole que j'avais pensé. Donc, du coup, ce que j'avais pensé de base à faire, c'est de faire une pré-évaluation isocinétique pour la population, afin de trouver un déficit. Une fois que j'aurais trouvé ce déficit, j'aurais pu me concentrer à traiter que ce problème-là. Et donc, du coup, d'un point de vue statistique, j'aurais changé, pas non plus une valeur sur 20, mais une valeur sur une valeur. Et donc, du coup, d'un point de vue statistique, on aurait eu un vrai impact, que ça soit positif ou négatif. À cela, j'aurais rajouté 3 périodes de tests, donc début de stage, milieu de stage et fin de stage, pour pouvoir comparer les différentes parties et voir si cette diminution de force était notamment liée à la fatigue sportive. Dernière chose, j'aurais rajouté un questionnaire qui m'aurait permis de voir l'évolution des différentes pathologies qui auraient pu se mettre en place pendant le stage. Donc on aurait pu voir s'il y avait une amélioration, enfin s'il y avait moins de pathologies dans le groupe traité ou dans le groupe CHAM. Ce que mon mémoire m'a apporté, notamment beaucoup de questionnements que vous avez pu voir ici sur l'ostéopathie, sur moi-même et sur la fonction de la santé. Ça m'a apporté une rigueur scientifique, puisque bientôt je vais refaire un mémoire sur le DU d'anatomie. Et donc du coup, ça m'a appris vraiment à prendre en compte tout l'ensemble de ce que c'est un mémoire et possiblement plus tard refaire des études dans le milieu militaire pour pouvoir améliorer, justement, rajouter une pierre à l'édifice dans la recherche ostéopathique. Ça m'a amené aussi un projet professionnel, puisque dans très peu de temps, je vais rentrer en tant que réserviste dans l'armée pour pouvoir faire rentrer l'ostéopathie exclusive dans le monde de l'armée. Et pour la dernière chose, je finirai par une petite conclusion, c'est que pour moi, il est important de faire un travail synergique avec ces deux métiers, qui est l'ostéopathie et la médecine, puisque c'est avec ce travail synergique que les méfiances vont commencer à diminuer. Et ça permettra une meilleure compréhension entre ces deux médecines-là et un travail en collaboration pour des études scientifiques qui permettra d'aider l'ostéopathie à se promouvoir de manière plus de meilleure manière pour pouvoir être prise en compte dans ce milieu-là, en France. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ça vous a plu. Beaucoup aimé la dernière phrase de conclusion de « il faut travailler ensemble, ostéo-médecin ». Moi, je suis médecin et cet affrontement ostéo-médecine, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Et j'ai beaucoup aimé votre dernier mot. En tant que question, c'est moi qui vous ai posé la première question de la chirurgie.
Vous savez comment il a fait, lui, pour arriver à se faire accepter? Alors, non, je ne sais pas, mais je pense que, en fait, pour ce CJCOP, c'est un médecin particulier qui fait ces tests-là. Et donc, du coup, il a dû... Des fois, il peut avoir des passe-droits. Il a dû avoir... il a dû faire le test de l'épaule et se rendre compte que fonctionnellement, elle fonctionnait correctement. Sauf que, avec l'accumulation du sport qu'ils ont eu, peut-être qu'au fur et à mesure du stage, il y a eu un déficit qui s'est créé, qu'on peut voir ici. Donc je pense que c'est juste ça qui a pu se passer, en fait. Mais en clair, oui, effectivement, le critère de chirurgie est important à mettre dans les critères d'exclusion dans tous les cas. D'accord. Et puis, comment expliquez-vous que dans les groupes CHAM, il y ait un empirement, quoi, du 50%? Comme ça. Je pense que c'est lié justement à la dysfonction. Parce que la dysfonction vertébrale, enfin, la dysfonction d'un point de vue tel, c'est qu'elle va créer une limitation, en fait, du fonctionnement au niveau de l'épaule. Et que cette dysfonction, elle est augmentée lorsqu'on a beaucoup de sollicitations. En fait, souvent on se dit, oui, il y a une pathologie qui apparaît, mais pourquoi cette pathologie apparaît? Et cette pathologie, elle apparaît souvent parce que on a un problème de base interne, mais c'est les événements extérieurs qui font que ce problème se révèle. Et je pense que le fait d'avoir beaucoup de dysfonctions dans cette zone-là a, au bout d'un moment, créé de plus en plus de déficits, en fait. Et je pense que c'est une accumulation, et que pour certaines personnes, elles ne peuvent plus s'adapter. Elles arrivent à un moment où l'adaptation n'est plus possible, et il y a une augmentation du déficit. Donc je pense que c'est lié à la dysfonction même. Oui, mais c'est beaucoup. Oui. Ah oui, 50%, c'est énorme. Hein. Énorme. Il n'y a pas tant de... Le temps écoulé, il n'est pas suffisamment large. Il est juste large de 2 semaines. Imagine... Là, heureusement que c'était la fin du stage, parce qu'il y aurait forte chance d'apparition de blessures importantes. Quoi. Et je pense que c'est notamment... Là, on a pris en compte que les 19 personnes, mais sur les 7 personnes qui sont blessées, il aurait été intéressant de voir aussi leur profil, parce que peut-être qu'ils auraient exactement le même profil. Et merci, on a bien aimé. Merci. Bon, moi, vous avez répondu à mes 2 questions, c'est bien. Par contre, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que vous n'avez pas étudié les biais de votre étude. Les biais, ben, dans toutes les études. Ah oui. Il faut essayer de voir s'il n'y a pas eu des anomalies, des mauvaises directions de votre étude et d'évaluer ces biais dans votre conclusion ou dans les résultats vérifier que, effectivement, votre étude est correcte. D'accord. Ben, je ne pensais pas utile de vous le re-répéter dans la soutenance, parce que je me suis dit que ça allait être trop rébarbatif de re-répéter les problèmes et choses comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai laissé juste ce que j'avais déjà dit, parce que dans la partie discussion, en fait, j'ai fait une grande partie discussion parlant de tous mes biais. Et je pense qu'il y avait déjà beaucoup de choses à dire. Et en 15 minutes, j'avais peur de vraiment m'apesantir dessus et que, voilà, que ça ne soit pas intéressant. J'ai préféré orienter la soutenance sur autre chose. Mais oui, en effet, il y a eu quand même certains biais que j'ai mis en valeur dans la partie du mémoire écrite. Notamment, par exemple, ben, d'un point de vue rigueur scientifique, j'ai voulu, par exemple, que dans chaque étape, il y ait un praticien différent. Ben, rien que ça, c'était déjà un biais. Parce que quand on a fait l'analyse au niveau de la machine isocinétique, on sait que la motivation dans la force est très importante. Et par exemple, le fait que avant le premier test isocinétique, ça soit un praticien qui ait fait l'analyse, enfin, qui ait fait le test, l'a beaucoup motivé, voilà. Donc du coup, il va avoir des meilleures valeurs. Et que le deuxième praticien qui refait le test, eh ben, peut-être qu'il est un peu moins motivé, il donne un peu moins de motivation et du coup, une diminution de la force. Parce que ce qui est important à savoir aussi, c'est que normalement, on est censé avoir une augmentation de la force dans tous les cas. Parce que la personne, elle comprend mieux comment la machine fonctionne. Et donc, du coup, peut mettre beaucoup plus de force sur la machine. Normalement, il y a un temps d'adaptation. Et ça, c'est aussi l'autre biais de mon expérimentation. C'est que normalement, une semaine avant, il aurait été intéressant de leur faire, dans le vent, une étude isocinétique pour qu'ils comprennent vraiment, pour qu'on puisse avoir vraiment un test à blanc et ensuite qu'ils travaillent vraiment sur la machine. Donc, il y avait plein de biais comme ça que j'ai montré dans ce mémoire-là. Je n'ai pas voulu juste les répéter dans la soutenance. Excusez-moi. Merci. Du coup,
c'est la première fois qu'ils utilisaient la machine ? Alors, oui. Pour certains ? Oui. Pour tous, en fait. Oui, pour tous. D'accord. Pour tous. Ils utilisaient cette machine. Après, il y avait déjà, en fait, entre chaque contraction, on leur expliquait d'abord comment on allait faire le mouvement. Par exemple, on passait dans le concentrique, rotation médiale concentrique, et ben juste avant, c'est dans les échauffements, juste avant, ils faisaient une rotation concentrique, enfin trois mouvements, pour comprendre comment ça fonctionne. Après, on disait excentrique, rotation latérale, et ben ils devaient résister. Donc du coup, ils avaient déjà une compréhension, mais c'était limite instantané. Il y a un entraînement de 10 secondes, et juste après, on commence vraiment l'entraînement. Voilà, c'est mieux de le faire une semaine avant avec une bonne préparation pour qu'ils comprennent vraiment comment ça fonctionne. Voilà. J'ai rien d'être très intelligent. Tu as répondu à mes questions. Moi, j'étais militaire. Ah, d'accord. Militaire. Ouais, j'étais militaire dans l'infanterie. J'aurais bien aimé avoir un ostéo qui nous accompagne. Fracture de fatigue. Je ne sais pas. Oui, c'est une autre piste à travailler, la métatarsalgie par fracture de fatigue. Tibia qui s'éclate petit à petit. comment on peut accompagner ça? Et en plus, ces diagnostics-là de fracture de fatigue sont très compliqués à avoir. Et on passe souvent à côté, les médecins militaires passent souvent à côté parce que c'est juste des petites douleurs. Ça ressemble des fois à des tendinopathies, justement. On dit, oh ouais, c'est juste une tendinopathie de la patte doigt. Mais en fait, des fois, c'est même des fissurations au niveau de la partie supérieure du tibia. Et ça, c'est important à traiter. Je pense que vous avez eu quand même des séquelles, quoi. Ouais. Beaucoup de militaires que j'ai traités, notamment mon père, il est ancien commando parachutiste, il s'est fait une hernie discale et il est allé jusqu'au syndrome de la queue de cheval. Donc pour dire que des fois, on ne prend pas assez soin de ces personnes-là, on ne fait pas assez attention parce qu'on leur dit « c'est dans votre tête, vous avez mal, on peut se dépasser, ça ira mieux ». Sauf qu'au bout d'un moment, certains se blessent réellement et je pense qu'un ostéopathe dans ce cursus-là pourrait des fois faire médiateur entre les deux et aider à soigner vraiment ces personnes-là.